les gars, regardez cette machine que j'ai achetée. Pour faire de la bonne crème glacée dans le confort de votre maison. Mais faire de la glace dans un coin, c'est ennuyeux. Ce serait beaucoup plus cool si je mettrais des paillettes colorées et sucrées. C'est bon. Oh non, c'est un mauvais moment à passer avec des invités. Oh, regarde, c'est de la glace. Viens, on goûte. Non mais attends, c'est pour nous, c'est pour moi. Non, je l'ai vu en première. Qu'est-ce que tu fais? Non mais toi, tu fais quoi? Non mais c'est elle, c'est elle. Je sais. Voilà, c'est le temps pour le challenge. Ça ne sera pas toujours délicieux. Je me demande, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ça va être super bon. Tu veux pas changer de place? Vas-y. Vas-y, je vais commencer. C'est quoi ça? J'aime pas l'odeur. Malheureusement, Emma, tu n'as pas de chance. Ta glace, c'est un mélange de Baskin Robbins et de moutarde. Je peux même pas imaginer à quel point cette glace serait dégoûtante. Parce que j'ai déjà goûté de la moutarde et j'ai failli vomir. Je peux qu'espérer que la glace fera disparaître le goût de la moutarde. Mais en fait, ce n'est pas tout. J'ai mis beaucoup de temps à choisir avec quoi décorer ce cône. Et j'ai opté pour de la nourriture pour chien. Je trouve que la nourriture en marron se marie très bien avec la glace jaune. Je pense que ça va être très amusant quand Emma va essayer. J'ai pas envie. Marie, peut-être toi? Ben non, vas-y, c'est à toi. Et non, ne me touche pas. Vas-y, mange. Oups. Ouais. C'est tellement épicé et tout simplement dégueulasse. C'est la glace la plus dégoûtante que j'ai jamais goûtée toute ma vie. Non, arrête, ne me touche pas, Marie. Vas-y, goûte. Je me demande si j'ai de la chance. Ma glace a l'air bizarre, mais ça a un goût incroyable. Oui, Marie, toi, par contre, t'as de la chance. C'est la glace ultra chocolatée. Elle est faite du Baskin Robbins au chocolat que j'ai nappé des sirops de chocolat. Je suis sûre que c'est incroyablement délicieuse. Mais ce n'est pas tout. J'ai décidé de décorer ton cornet avec des beignets noirs et blancs. Ces petits beignets-là. Awesome. Regardez comme cette glace a l'air cool. Bon appétit. Je suis prête à manger ces glaces pour toute ma vie. Ah ouais? Voyons voir si tu vas bien aimer cette araignée. What? Oh non. Non mais arrête! N'importe quoi. Tellement drôle. Okay. Vas-y, je vais commencer cette fois-ci. Je choisis Socon. Quelque chose me dit que ça va être délicieux. Yes. Le cornet a l'air génial, c'est de les guimauves. Et j'adore les guimauves. Oh, horrible. Vraiment horrible. Oh, je vais bien mélanger la glace avec le coca. Ouais, il n'y a rien de dégoûtant. Et voilà, j'ai ajouté un peu de pâte de poulet. Et voilà mon ketchup Heinz. Et pour le rendre encore mieux, j'ai mis des marshmallows. C'est tellement mignon, n'est-ce pas? Quoi? Non mais c'est quoi ça? Ça morce de pâte de poulet, n'importe quoi. Regarde, sa longueur est meilleure que la tienne. Vas-y, c'est pour toi. Aïe! Ça fait mal. Vas-y, mange ta glace. J'espère que je vais pas vomir. Oh, dégoûtant. Je n'ai jamais rien goûté de pire de ma vie. Oui, rien que de le voir, ça me rend malade. Voyons. Peut-être quelque chose de plus pire. Ok. C'est ça. Ouais, on va le découvrir. Oui, non mais c'est décoré avec des oiseaux. J'adore ça. Super bon.
Alors, goûtons la glace. Oh oh. Ouais. Oui. Oh oh. Cette fois-ci, spécialement pour Emma, j'ai mélangé un tas de glace au chocolat avec des oignons. Les oignons sont tellement frais et piquants que mes yeux ont picoté quelques secondes pour les avoir tranchés. Je n'ai pas cru le point de nourrir Emma uniquement avec des oignons et de la crème glacée. Alors j'ajouterai un peu de Nutella. L'odeur est super. Et pour distraire Emma, j'ai mis des oursons en marmelade. Voilà, ça a marché. Et Emma a pensé que ça va être super bon. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Moins de paroles, plus d'action. Oh non, mais la glace avec des oignons, c'est n'importe quoi. Oh man! Oui, je suis vraiment désolée pour toi. C'était vraiment dégoûtant. T'as réussi? Oui, maintenant tout est derrière toi. Vas-y, papier, papier, ciseaux, on décide. Ouais, j'ai gagné. Voyons voir. Oh, comme c'est beau ça. Emma, félicitations, t'as vraiment eu de la chance cette fois-ci. Devant toi se trouve une glace Baskin Robbins à la fraise, dans laquelle j'ai versé les plus délicieux bonbons. Et je couronnais le tout avec du caramel liquide. Tous ces ingrédients forment quelque chose de réellement délicieux. I've got it. Ouais, j'en suis sûre. Ah oui, et bien sûr des Skittles. Ça va être encore bon. C'est tellement agréable de manger une glace délicieuse sans toutes ces choses désagréables. Je suis même un peu jalouse de toi. Alors, voilà, la glace est terminée. Et voilà, encore c'est bon. Vas-y, c'est ton tour. Bon, j'espère que j'aurai de la chance. Ah, pourquoi ce sont des têtes de poisson? Alors, c'est très simple. J'ai même envie de manquer de moi-même. Je n'ai pas le droit de manger moi-même un pseudo glace. Alors, je me suis énervée et j'ai décidé que j'allais faire une glace dégoûtante. Et quoi faire? Quoi ajouter? Eh bien sûr, le fromage puant. Ouais, je l'ai mis dans le mixeur avec la glace à la vanille. Oh, c'était horrible. Et ce n'était pas tout. Bien sûr, je l'ai rendu encore plus désagréable. Et je l'ai garni de têtes de poisson. Je pense que ce cône pourrait être un accessoire pour un film d'horreur. Alors, bon appétit. Emma, aide-moi. Vas-y, toi. Ferme les yeux. Comme je le pensais, c'est vraiment dégoûtant. Mais maintenant, c'est une question de principe. Je peux m'occuper de cette stupide corne. Non, pourquoi elle est si sûre? Je vomirai sans aucun doute. Oh, je vais vomir. La pauvre.